Non, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi saint. Et eh oui, le 29 mars. Vendredi 2024. 29 mars, 9h40. Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours très appréciés. Pâques est très tôt cette année, un 31 mars. C'est très très rare que ça arrive au mois de mars. Et euh, cette année 2024 n'est pas une année comme les autres. Je vais y revenir. J'ai découvert quelque chose de fascinant concernant, encore une fois, euh, L'éclipse solaire totale qu'on va avoir et le passage d'une comète d'un nom très bizarre aussi. La comète du diable, le 8 avril. Mais il y a eu, dans le passé, je vous en ai raconté une histoire où, euh, en 1812, où il y a eu le plus grand tremblement de terre à New Madrid. Il y avait cette éclipse solaire et le passage d'une comète aussi. Et là, on va remonter, quand je vais vous revenir un peu plus tard, j'essaie de rassembler toutes les informations, là, mais 500 ans avant Jésus-Christ, et ça nous amène à une espèce d'idée où il y aurait probablement, je pense que telle la foi ou pas, il y a un combat qui se fait cosmique, c'est tellement grand, entre... À l'époque, on parlait hein, de, dans des, certains récits de, 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 de deux dragons, un dragon blanc, un dragon noir ou bleu, et c'est comme une espèce de combat entre le bien et le mal à toutes les 500 600 ans, il y a un transfert de pouvoir qui se fait. Peut-être qu'on est dans une année qui pourrait être ressemblée à ça 2024. 60 élections dans le monde, 4 milliards d'individus qui sont vont voter. On voit le monde étant en complète complète dégringolade. En tout cas, je reviendrai là-dessus mais là pour l'instant, j'ai je suis tombé sur quelque chose. Comme ça des fois ça vous arrive aussi, on navigue, on navigue ou Selon ce qu'on regarde ou ce qu'on suit, souvent on reçoit des informations qui sont dans le même type de, de catégorie. Et là, je suis tombé sur cette nouvelle-là, qui est la suivante, qui est rapportée par euh, un site que j'aime beaucoup. Un document de l'industrie indique que les PFAS sont hautement toxiques. Les PFAS ça, c'est des substances polyfluorées qu'on utilise. C'est un groupe de produits chimiques pour fabriquer, entre autres, des revêtements, des produits en polymère fluoré qui résistent à la chaleur, à l'huile, aux taches, à la graisse et à l'eau. Et c'est dans l'industrie, naturellement, plastique. Et lui, il a parlé de ça parce qu'il était tombé sur une histoire qui est. Qui a été publié dans le journal The Guardian, qui est l'article suivant, qui a été publié le 15 mars 2024. Donc, c'est il n'y a pas longtemps. Et l'article est le suivant. OK. Les athlètes sont susceptibles d'avoir des niveaux plus élevés de PFAS après avoir joué sur du gazon artificiel. La recherche, la recherche soulève davantage de questions sur la sécurité des matériaux qui, selon les défenseurs de la santé, contiennent des niveaux dangereux de produits chimiques éternels. Les athlètes qui jouent sur du gazon artificiel sont susceptibles d'être recouverts de niveaux plus élevés de produits chimiques permanents, toxiques, PFAS qu'avant de jouer sur le terrain, suggère de nouvelles recherches soulevant davantage de questions sur la sécurité de ce matériau controversé. Tous les gazons artificiels sont fabriqués avec ce que les, défense les défenseurs de la santé publique considèrent comme des niveaux dangereux de PFAS. Lorsque les produits chimiques hautement mobiles se détachent des brins d'herbe en plastique, ils peuvent être absorbés par la peau, inhalés, ingérés ou pénétrés dans les plaies ouvertes. Les résultats de cette étude, qui a examiné les niveaux sur la peau de plusieurs footballeurs de 6 ans et de leurs entraîneurs, sont préliminaires, soulignent ses auteurs. Cependant, les résultats soulignent ce que de nombreux scientifiques craignaient. Le gazon artificiel présente une menace pour la santé, a déclaré Kayla Bennett, co-auteur de l'étude avec l'organisation à but non lucratif Public Employees for NVA. Environmental responsibility. En 2024, la dernière chose que nous devrions faire est de déposer des hectares de produits plastiques à base de combustibles fossiles. Avec des produits chimiques qui vont se répandre sur la peau des athlètes, dans le sol et dans l'eau, a déclaré Bennett, cela me laisse perplexe que les gens envisagent encore d'utiliser ce genre de choses, les pfas ou substances paires et polyfluoroalkyles constituent une classe d'environ 15 000 produits chimiques, 15 000 produits chimiques souvent utilisés pour rendre les produits résistants à l'eau, aux taches et à la chaleur. les composés sont liés au cancer, à des problèmes de foie, de thyroïde, de malformations congénitales de maladies rénales, à une diminution de l'immunité et à d'autres problèmes de santé grave. Ben là, c'est parce que tout a été nommé. Là. Puis on voit les taux de surmortalité chez les jeunes en ce moment, on voit les taux de cancer, j'en je ai parlé beaucoup, je vous en ai partagé beaucoup de ces informations-là récemment. Ça, ça sort en même temps de cancer chez les jeunes, différents types de cancers d'abdomen. On a vu euh, la princesse Kate, euh, le roi Charles, <laughs> qui a attendu 70 ans. Avant d'avoir un job, il hein, attendait que la vieille reine disparaisse. Et là, il appelle malade. Certains gazons artificiels sont encore produits avec des pneus broyés qui peuvent contenir des métaux lourds, du benzène, des COV et d'autres cancérigènes. Le matériau émet également des niveaux élevés de méthane, un puissant gaz à effet de serre, et rejette des microplastiques et d'autres produits chimiques dans les cours d'eau. Les chercheurs ont échantillonné la peau des participants avant hein, et après un match de football en Californie et ont découvert que les niveaux de ces produits, des de, de PFOS, l'un des composés des PFAS les plus dangereux, augmentaient de 3 sur 4. Les niveaux ont plus que doublé sur un seul joueur. Pendant ce temps-là, les niveaux de PFAS ont diminué chez 3 participants sur 4 après un match sur un vrai terrain en gazon. Naturel. Donc, vraiment, très, très fascinant, tout ça. Mais on nous dit, il y a dans une note Corporate and Federal Government Suppression of Information ont détruit l'information. En 1970, 40 ans avant qu'on puisse euh, avoir cette euh, espèce de communauté publique sur la santé, Dupont et 3M avaient été prévenus que ces produits étaient hautement toxiques s'ils étaient inhalés et modérément toxiques s'ils étaient, étaient ingérés. Là, on parle d'il y a 40 ans, on savait déjà tout ça. En 2018, la Maison-Blanche et ses euh, employés de la, du ministère de l'Environnement et les pressions euh, des, euh, de, de, du gouvernement américain ont fait disparaître cette étude qui montrait que c'était extrêmement dangereux. Puis on le savait depuis plus de 40 ans. En 1970, la compagnie Dupont et 3M, qui est un des plus grands producteurs de tous ces produits euh, plastiques, toxiques, comme on peut les qualifier maintenant, savaient déjà que c'était extrêmement toxique si c'était inhalé et modérément toxique si c'était ingéré. Wow! Je vous reviens avec toutes les autres histoires, là, je peux vous dire, il y en a plusieurs qui vont vous faire spinner la tête, tourner la tête. Ah.